Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour deux hauls. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est Globeland. C'est un haul, c'est pas un partenariat, parce que quand j'ai eu mon dernier partenariat, je voulais ceci. C'est des... Oh mince, des ciseaux, Nana, s'il te plaît. Comment? Des ciseaux. Ou un couteau, enfin quelque chose qui coupe. Voilà. Je voulais cet article-là, qui est un alphabet. Et il n'était pas disponible. Il n'y en avait plus. Ils étaient en rupture. Donc, ça se présente comme ça, en fait. Et vous, vous faites les mots que vous voulez en accrochant les lettres comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire scrap, vous mettez le C, le S, le C. Oh, comment ça marche? Le C, il est à l'envers, voilà. Le C, ça s'emboîte, hein. Après, le scrap, le R. Le R, voilà. S, attends, non, je ne le mets pas dans le bon sens. Scrap. Ah si, ça doit être bon, scrap. Le A. Le A. Et le P. Le P. Attendez. P. PQ, voilà. Et le P. Donc, comme ça. Il faut les mettre dans le bon sens. Scrap. Voilà. Là, vous avez le mot scrap qui est écrit. Si je prends un petit morceau de papier, comme ça. Je viens donc c'est parce que je suis oui, il faudrait que je le fasse là. Hop. Voilà. Donc vous l'avez comme ceci. Voilà. Oui. Voilà. Parce que avant j'étais obligée de... Je vais vous montrer comment je faisais. Et je vois là voilà. Tiens, tu veux les raccrocher pour qu'ils rentrent dans la boîte, s'il te plaît. Alors, j'en ai pris deux jeux parce que je me suis dit, c'est peut-être bien d'avoir deux fois la même voyelle. Des fois, ça peut servir. Avant, je n'avais que ça. Voyez, c'est... Par contre, il y avait des minuscules. Ça, c'était pas mal. Mais alors, je vous dis pas, une galère. Je mettais que deux lettres, j'arrêtais, et donc c'était un peu en décalé. C'était pas terrible du tout. Donc, je me suis dit bon, je vais essayer avec les autres. Peut-être que pour moi, ce sera plus facile. Pourtant, ça, voyez, je vous raconte pas de bêtises, c'est du railleur, hein. Mais bah ça se décollait, c'est vraiment c'était pas trop possible. Bon, ça date du début de mon scrap, hein. C'est de 2017. Donc là j'en ai acheté une autre boîte et pour vous dire le prix, c'est 7,17 la boîte comme ça, d'accord. Donc j'en avais pour 14,33 € dans les deux boîtes. Alors je me suis dit ben mince, c'est bête parce que je vais payer du port.
Et puis, ben, j'avais droit à ma réduction parce que j'ai 10% chez Bibicraft. Hein, si ça vous intéresse, je vous mettrai mon code. Je vais commander autre chose. Et puis, là, avec mon mari, il n'y a pas très longtemps, on a fait des... On a refait des... Comment dire on a refait ça. Hein, c'est pareil, hein, je vous mettrai la vidéo où on fait cet article-là. C'est, en fait, c'est pour ranger les dailles. Hein. Alors, je découpe mes dailles, je les colle, et puis mon mari, c'est lui qui le fait, après, avec la plastifieuse, il vient me les mettre en place. Et je mets d'où ils viennent en haut. Vous voyez, Action, et là, ça vient de chez Bibicraft aussi. Donc, là, chez Bibicraft, ils en font des plus petits. Alors, je pense qu'on pourra pas mettre... Ben non. Donc, on pourra pas faire les mêmes enveloppes. Alors, par contre, j'avais une enveloppe comme ça, mais ça sera trop petit. Ouais. Il faut que je trouve des enveloppes qui sont adaptées à la dimension. Donc là, il y en a... Ah, attendez que je vous dise. Là, j'en ai 15 feuilles magnétiques pour 10,52 €. Donc, il vous suffit simplement de coller le côté qui n'est pas aimanté sur une petite cartonnette. Et puis après, bah, vous regardez ma vidéo, puis vous faites le même principe. Hein. Donc, je vais tâcher de trouver des enveloppes à la bonne dimension. Alors là, ça fait... Ils mettent 7,01 multiplié par 5 pouces. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc, ça, tout ça, c'est à mettre dans la boîte en haut, pour monter en haut. Voilà, et ça. Hein. Parce que vous voyez, là je suis dans mon deuxième junk. Là par exemple, je vois, j'ai fait Figuera da Foz. Eh bien, en dernier, je fais plus qu'avec les grosses lettres parce que les petites, à force de servir, ben, ça ne tenait plus, quoi. Je ne sais pas si j'en ai une autre. Ben non, parce que là on est à Lisbonne. Donc c'est avant. Oui, puis avant c'est Porto. J'en ai pas d'autres décrites. Voilà. Donc, vous aurez vu un peu l'avancée de mon deuxième, ça et ça. Donc, j'étais à Montaigu pour une visite. Et puis, à Montaigu, il y a un Action. Donc, en revenant, comme j'étais plutôt rassurée, j'ai dit on arrête. Voilà. Alors, j'ai pris, je vais aller dans l'ordre du ticket de caisse. J'ai pris du papier cadeau. Donc, c'est 3 mètres par 70 cm, c'est 89 centimes. Voilà. Après, décotaille, kit de bricolage. Alors, attendez. Je vais remonter. Voilà. Alors, les kits de bricolage, j'en avais pris un l'autre fois, mais il n'y en avait que de deux façons, puis l'autre ne me plaisait pas. Donc, ce n'est pas les mêmes. Alors là, il y a le kit, je ne vais pas le défaire, mais c'est avec les petits animaux. Alors, je vous le montre de plus près. On le voit en entier, là, Nana ? Recule même. Encore. Je zoome. On voit en entier. Là, on le voit en entier. Donc là, c'est vraiment avec les petits animaux de l'hiver. Donc, on a quatre papiers... Non, on a 5 papiers à 5 et on en a 6 à 4. Donc, moi, souvent, c'est que les A4. Je le garde, ça, parce que je le... Oh, bah, encore que non, elle est cassée. Tu peux l'ajouter. Ça aussi. Voilà. Donc, pour faire des petites créations. Et puis, j'ai pris celui-ci aussi. Donc, là, vous voyez, là, c'est le doré. Et là, c'est argenté, rose argenté. Hein? Donc, regardez sur les papiers derrière, comme il y a des beaux motifs. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai plusieurs petites idées de création en tête. Je vais partir là-dessus. Hein? Voyez, on coupe celui-là dans le milieu. On peut vraiment faire quelque chose. Ah ben non, là, c'est des A5, on les laisse entiers.
Et puis il y a quatre, ils sont assez neutres, donc on peut vraiment faire quelque chose. Et puis ben, on a tous les die cuts pour les décorer après. Hein. Alors les décotables, c'est 1,79. Après, j'ai pris un bloc de papier comme ça, parce que c'est pareil, la dernière fois il n'y était pas. Et là, c'est les petits animaux. Alors attendez, ils sont plutôt à la fin. Je vous montre les papiers. Je ne sais même pas si je suis dans le champ. Là, regardez comme ils sont mignons. Et puis là, c'est pas réversible. Hein. Voilà. Regardez, ça c'est beau. Hein. Vous coupez au milieu. Vous mettez Joyeux Noël ou C'est Noël. Voilà. Bon, ça c'est moins beau. Mais voilà. Et là, après, vous avez tous les die cuts. Pour mettre sur vos créations. Hein. Donc, c'est très, très bien. Vous voyez, le fauteuil, on l'a dans deux tailles différentes. Voyez, les animaux, c'est pareil, hein, selon ce qu'on veut en faire. Hein. Regardez s'ils sont mignons tous les deux, là, à prendre le café, c'est trop rigolo. Voilà. Donc, bah, je vous ferai des petites créations. Là, c'est pareil, hein, voyez, on a vraiment les petits. Puis là, on a les plus gros. Hein. Voilà. Là, on a les gros. Les petits ici. C'est trop, trop mignon. La cheminée, là, elle est magnifique, quoi. Ouais. Alors là, un cochon, ça me surprend un peu. On en a eu des cerfs comme ça, mais ils étaient moins jolis. C'était pas aussi beau. Voilà, alors là, il y a vraiment de quoi faire. Et puis, ben, dans les papiers, il y en a qu'on peut mettre aussi. Hein. Voilà, alors celui-ci, le luxe, il est à 1,89. Il y a 10 centimes de plus. Après, j'ai pris plutôt des fournitures, du ruban adhésif. Ah, attendez, je vais tout sortir. Parce que j'y allais pas pour acheter ces trucs-là, mais... Oh, j'étais tellement contente. Enfin, je vous saurai, je vous raconterai plus tard, mais là, j'ai encore d'autres examens. Alors, ici, emballage 50 par 50, 2 à 1,99. Alors, c'est quoi ça, emballage 50 par 50? Alors, les sachets parfumés, j'en ai pris 6. Oui, j'en ai pris 6 à 56 centimes. Je vous les montre. Après, j'ai pris de la All Purpose. Parce qu'en fait, on remplit la petite bouteille, mais vous la remplissez 3 fois, puis le flacon, il est vide. Alors, c'est 99 centimes, 1 euro. Hein. Voilà. Après, ça... Ruban mousse double face, c'est pas ça. Le ruban mousse double face, c'est ça. C'est parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus qu'un. Donc, c'est 59 centimes. Alors, celui que j'ai commencé, est-ce que c'est qu'il y a longtemps que je l'ai? Ben, il colle beaucoup moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, ruban adhésif, 50 mètres par 5 centimètres, c'est ça. Ça, c'est pour faire mes envois, hein, pour faire mes paquets. Donc là, j'en ai pris 2, c'est 1,99, d'accord? Voilà, et puis il me reste, alors j'en ai pris 2, c'est les nouveaux blocs qui ont pas le, qui sont bien blancs là. Hein. Alors je me suis dit, bah, j'en profite, j'en ai un ancien qui n'est pas commencé encore, puis un autre à finir, mais je dis au moins j'aurai ceux-là pour en faire. Donc c'est 1,99, par contre ça a drôlement augmenté. Hein. Voilà, ben, c'était mon petit... Non, ben, je les ai montrés déjà. C'était mon petit haul Globeland et Action. Ben, j'espère que ça vous a fait plaisir. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.